Alors, ça s'est passé bizarrement en 2010. J'ai été invité lors d'un repas, d'une soirée chez un ami sur le Petit Lancy, qui lui était déjà engagé, qui avait déjà, était déjà dans le parti où je suis, donc dans le MCG. Et puis, ben, il m'a dit, viens, on va discuter et tout ça. Et puis, bon, il cherchait un petit peu de monde quand même. Hein. Et puis, il avait donc, on a fait une bonne soirée. Et puis, petit à petit, en fait, il a réussi à me faire venir, ce qui fait que je me suis engagé dans le parti et je me suis présenté aux élections de 2011, où j'ai été quand même bien élu. Donc, voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Et je suis très content d'avoir choisi ce parti du MCG qui me correspond le plus à mes idées. Alors la commune de Lancy, en fait, c'est quand même une longue histoire puisque ça fait 35 ans que j'y habite et j'avais la famille qui y habitait déjà, donc j'y suis venu depuis tout petit. Hein. Et puis cette commune de Lancy, je l'ai aimée, donc je me suis engagé dans des sociétés, dont dans les pompiers de Lancy, où j'ai fait 25 ans. J'ai appris à connaître pas mal de monde du milieu des associations et des sociétés, et puis dans le monde politique. Et tous ces gens-là, en fait, on est devenus un petit peu des copains, des amis, et ça, je trouve qu'il y a une superbe ambiance à ce niveau-là, une ambiance de village qui, actuellement, est tout à fait intéressante et très agréable. Alors j'ai quelques craintes parce que quand je vois quand même un petit peu comme la commune évolue, tous les immeubles qui se construisent à gauche, à droite, j'ai peur que ça devienne petit à petit une commune dortoir, ce qui serait vraiment dommage parce qu'on a encore des endroits magnifiques. Et bon, je comprends qu'on fasse des immeubles, on en a besoin, mais on n'est pas la seule commune qui a du territoire, de la place. Donc, à mon avis, ça, il devrait un petit peu ralentir, quoi. Parce que si ça devient vraiment trop une cité dortoir, ça sera beaucoup moins intéressant à vivre à Lancy. Et malheureusement, ben, moi, peut-être, je n'y resterai pas.